Stockholm. Coucou. Qu'est-ce qui se passe là? On est tout seul pendant 10 jours, moi et Stockholm, à l'ancienne, comme quand t'étais bébé. Est-ce que tu vas être gentil avec moi? Du coup, pendant 10 jours, je suis seule avec Stockholm. Ça va être 10 jours d'éducation intensive. Oui, mon bébé. On va jouer? Pour son anniversaire, il avait reçu un jeu d'intelligence. Et on l'avait toujours pas ouvert. On va voir s'il va y arriver. Eh mais Stockholm, il évite la caméra, c'est un truc de dingue. Du coup, je suis toute seule avec ce loulou là qui est en train de boire et on va tester son cadeau d'anniversaire. Donc c'est parti. Ça fait 30 secondes qu'on a commencé, tu souffles déjà? Bah oui, hein, mais faut réfléchir un petit peu. Hein. Ah oui, t'en as fait tomber une là, mais par la force. Hein. La grosse friandise, tu l'as mangée. Ça y est. Yes. Yes. C'est qui le plus fort? C'est Stockholm. Tiens, c'est tout beau. La 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 la. C'est ça, mon bébé. Tout le jeu, c'est celui-là. Voilà, franchement, c'est top. Et maintenant, le truc le plus chiant, c'est qu'il faut tout laver. Faut tout de suite laver parce qu'après quand la vache qui rit ça sèche, c'est une galère. Ça se lave super facilement. Je sais pas comment ça se fait mais là j'ai un coup de barre. Je crois que j'étais encore plus concentrée que Stockholm pendant le jeu. Mon doudou t'es fatigué là. On va faire la sieste. On fait la sieste? Oui. Oh le cerveau il a trop fonctionné là. Bon bah il est 18h, ça fait 1h30 que Stockholm il dort. Je vais faire des pâtes au pesto, j'en ai jamais fait. En tout cas, il s'est rapproché, hein. Forcément, j'essaie de préparer tous les ingrédients. Et il a entendu les bruits de sachets. Un coca.
D'ailleurs, je pensais, j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui sont comme moi. Quand je cuisine, déjà, je commence toujours par le sucré. Parce que ensuite, je vais toucher de l'oignon et de l'ail. Je suis très sensible aux odeurs. Déjà, je trouve que l'oignon et l'ail, ça reste plusieurs jours. Des fois, pendant 10 jours, je sens au niveau des doigts, ça ne part pas. Même si j'ai beau me laver, me frotter, ça reste. Quand je coupe chez moi, par exemple, j'ai une planche où je coupe les fruits. Une planche où je coupe... je mélange pas la planche où je coupe les fruits avec celle où je vais couper l'oignon et l'ail. Même si je la lave, je trouve qu'on sent l'odeur. Et une fois, ma mère, elle a fait des crêpes et elle a eu le malheur de poser sur quelque chose où elle avait coupé de l'oignon quelques heures avant. Malgré qu'elle ait lavé le truc, j'ai senti direct, j'ai craché. Enfin, je suis hyper sensible à ça. Du coup, voilà. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi. Qui je vois en remontant. Coucou, mon cœur. Maman, elle a tout trouvé. Ah, ça, c'est demande de câlin. Non, mon cœur, là, je me suis lavé les mains. Non, je me suis lavé les mains. Ça, le problème, c'est quand je cuisine, qu'il est dans les pâtes, ce qui arrive tout le temps, je craque toujours à faire les câlins et après, je me lave les mains 20 fois. Plein de poils partout. Bah oui, mon cœur. Oh là là. Mon tétou. Je vous avais dit qu'il viendrait. Fais bisous maintenant. Mmh, je te mange. Oh, moi, je te mange. Mmh, bisous, oui. Oui, bisous. Oui. Ah, voilà. J'ai touché. J'aurais pas dû toucher. Faut que j'aille me laver les mains. J'ai l'air d'une folle. Je suis en train de sentir. Je vous explique, je voulais faire le gâteau dans un moule comme ça parce que normalement ça, on le coupe en carré. Mais en fait je veux le faire là-dedans parce que ça, il me semble que pendant les barbecues, ils mettent la viande et je vous assure, ça sent un peu la viande. Et après mon gâteau, quand il va cuire, il va sentir un peu la viande et ça va me dégoûter, je vais pas le manger. je suis toc-toc, hein. Maman, elle est toc-toc. Tadam, mes pâtes au pesto, j'espère qu'elles seront bonnes.